Aéroport de Roissy, 7h du matin. Nos deux lève-tôt sont à gauche Jean-Patrice Bulot, directeur d'une société de convoyage, et à droite Eric Moritz, chauffeur mécanicien, tous deux en partance pour Chicago. Chicago, c'est la ville du vent, des Bulls, d'Al Capone. Mais avant tout, c'est ici que commence la route 66 et l'aventure. C'est un rêve que je compte réaliser depuis longtemps et puis ça tombe bien. C'était aux 24h du Mans ? Avec un collègue de travail, en passant au stand Renault, on a rempli le bulletin. On a mis ça dans l'urne et puis un jour, le téléphone sonne pour dire qu'on est un gagnant. J'ai reçu un coup de fil et puis on m'a dit bah, vous êtes sélectionné. J'y croyais pas et puis voilà, je trouve ça génial. Le rêve est là. On va traverser 8 états, donc on va rencontrer des gens différents. La façon dont vivent les gens, c'est un côté intéressant aussi. Camion, ça passe sous un pont ? À mon avis, ça passe. Parce que le bus, il est à 3,30 m, il reste de la marche, donc aucun souci. C'est prêt, on est prêt à attaquer la route. Ouais. Ouais.